Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal parce qu'un coursier est venu me déposer un nouveau joujou. Et ce nouveau joujou, c'est le Galaxy S8. L'appareil a été présenté durant un événement à New York le mois dernier. Derrière, Samsung avait aussi organisé une soirée sur Paris pour présenter son nouveau porte-étendard à la presse. Votre humble serviteur avait été convié à l'événement et il a profité de l'occasion pour harceler le personnel afin de décrocher un téléphone en test. Il faut croire que mes efforts ont fini par payer puisque l'appareil est arrivé chez moi hier soir. Du coup, en attendant le test, eh bien, on va pouvoir attaquer directement avec la prise en main de l'appareil. Mais avant de passer au vif du sujet, nous allons nous attarder brièvement sur les caractéristiques techniques de la bête. Le Galaxy S8 se positionne sur le haut de gamme. On a donc un écran QHD+ plus de 5,8 pouces avec un Exynos 8890, couplé à 4 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 64 Go et il est possible de l'étendre par le biais d'une carte micro SD. Pour la partie photo, on a un capteur principal de 12 millions de pixels surmonté d'une optique ouvrant à focale 1.7. Et c'est la grande nouveauté, nous avons aussi une caméra frontale de 8 millions de pixels avec un autofocus. En plus de la 4G, on trouve du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 802.11ac, une puce NFC et une batterie de 3000 mAh compatible avec le chargement sans fil et le chargement rapide. Le tout pour un prix de 809 €, ce qui coûte quand même assez cher. Le bon côté de la chose, c'est que nous avons le choix entre 3 coloris différents, on peut le prendre en noir, en argent ou en violet. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au déballage de l'appareil. Le Galaxy S8 est livré dans un écran sombre extrêmement minimaliste. La boîte ne comporte aucun visuel et elle fait simplement apparaître le nom de la marque et du téléphone avec quelques données plus techniques à l'arrière. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone, il paraît gigantesque et cette impression est renforcée par l'immensité de son écran. Les accessoires se trouvent pour leur part dans un compartiment situé en dessous. L'offre est très conventionnelle mais complète et on a donc un câble de synchro, un bloc secteur et un kit main libre avec de multiples adaptateurs. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il faut savoir que ces derniers sont fournis par AKG, une filiale de Harman Kardon. L'offre est certes conventionnelle mais elle semble plutôt solide. Alors les accessoires, c'est génial bien sûr, mais ce qui compte vraiment c'est le terminal et on va justement se pencher sur ses lignes et sur son ergonomie. Tout comme les modèles précédents, le Galaxy S8 se compose de deux plaques en verre trempé maintenues par un châssis métallique renforcé. Les deux plaques ont été traitées au Gorilla Glass 5 et il semblerait que ce traitement soit efficace puisque le terminal a magnifiquement bien résisté à la séance de torture infligée par Jerry Rig Everything. Toutefois, le terminal n'est pas une simple évolution du Galaxy S7 ou même du Galaxy S7 Edge. Il va en effet beaucoup plus loin que ces derniers et il suffit de prendre le téléphone en main pendant quelques instants pour s'en rendre compte. Ce qui frappe au premier abord, c'est bien évidemment l'immensité de son écran. Le fameux Infinite Display porte bien son nom car il donne l'impression de recouvrir l'intégralité de l'appareil. Dans les faits, ce n'est pas le cas bien sûr, et Samsung a ainsi conservé deux bordures au-dessus et en dessous de la dalle afin de garder une bonne préhension. Un choix très sensé d'ailleurs, si vous voulez mon humble avis. Toutefois, ces fameuses bordures sont nettement moins épaisses que celles des modèles précédents, et le terminal affiche ainsi des dimensions très proches de celles du Galaxy S7 Edge, alors que son écran atteint les 5,8 pouces de diagonale. Bien sûr, pour pouvoir caser un tel écran sur son téléphone, le constructeur a dû procéder à plusieurs ajustements en termes de design. Le bouton d'accueil notamment disparaît au profit de trois boutons tactiles. Fait intéressant en revanche, celui du centre s'accompagne de plusieurs capteurs de pression. En revanche, il n'intègre pas de lecteur d'empreintes et cette pièce bascule du coup à l'arrière du téléphone, à droite du module photo. Le flash et le moniteur de fréquence cardiaque se retrouvent de l'autre côté, sur la gauche. Les trois boutons physiques habituels ne changent pas de place. Les deux contrôles du volume sont toujours sur la tranche gauche et le bouton de mise sous tension figure toujours sur la tranche droite. Un quatrième bouton fait néanmoins son apparition. Situé sur le flanc gauche de l'appareil, il nous permettra d'activer Bixby en un instant. Le connecteur USB type C ne change pas de place, il se trouve toujours sur la tranche inférieure. La prise casque répond également à l'appel, Samsung n'ayant pas encore fait l'impasse dessus. On ne va pas se mentir, le Galaxy S8 a clairement de la gueule et il suffit d'ouvrir la boîte pour être complètement subjugué par ses lignes mais également par ses finitions. La plus grosse claque, on se la prend bien évidemment avec l'écran qui est tout simplement immense, qui est gigantesque et qui donne réellement l'impression de ne pas avoir de fin. L'ergonomie semble plutôt solide, ma seule interrogation en revanche porte sur le lecteur d'empreintes. Placé comme il est, on aura malheureusement souvent tendance à poser l'index sur la plaque en verre protégeant l'optique du téléphone.
Ça risque d'être gênant et je pense qu'un temps d'adaptation sera nécessaire avant d'arriver à prendre réellement en main l'appareil. Alors pour la partie technique, pour l'instant je peux pas vous dire grand chose, j'ai fait quelques tests, j'ai joué un peu avec le téléphone, il a du répondant, il est rapide, il est véloce, le multitâche fonctionne parfaitement, mais c'était déjà le cas des modèles d'avant, donc là malheureusement pour l'instant j'ai pas encore assez de recul pour vous dire réellement ce que vaut le Galaxy S8 sur le terrain. Voilà pour cette prise en main, comme d'habitude si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et pour mon test, eh bien il faudra compter à peu près une semaine avant qu'il soit publié ou mis en ligne sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et de vous amuser. Ciao.